Bonjour Amar Akake. Bonjour Mariam. Suleiman Kolli est décédé le vendredi 1er août. C'était une figure de la culture africaine, célèbre pour ses créations théâtrales et musicales, et notamment pour son groupe, l'ensemble Koteba, dont vous avez été membre pendant plusieurs années. Ma première question est la suivante. Qui est Suleiman Kolli? Quels étaient vos liens? Bonjour Touré. Suleiman Kolli nous a quittés. On ne s'attendait pas. Nous avons perdu vraiment en bibliothèque de l'Afrique. Mon lien avec Suleiman Kolli et de ce que Suleiman Kolli m'a apporté dans ma vie, c'était vraiment trop. Si aujourd'hui, moi-même, Amara, je m'exprime et j'arrive à voyager, je suis rentré dans le Sam Koteba la plus jeune lorsque j'avais 5 ans. Et ma venue dans l'ensemble Koteba la vision, c'était juste en 86 directement au tournage d'un film que Suleiman Kolli avait réalisé, La vie platinée. Lorsque Suleiman Kolli est avec nous, l'ensemble Koteba la vision, ce n'était pas seulement du théâtre. On ne venait pas dans Koteba pour faire du blabla pour partir. Koteba était vraiment structuré. Koteba était organisation. Koteba était une famille. Tout était dans l'ensemble Koteba la vision. Même si vous étiez un artiste reconnu, en venant dans l'ensemble Koteba la vision, il fallait tout reprendre. Le côté théâtre, le côté tradition, le côté création, le côté composition était différent des autres théâtres. Et M. Suleiman Kolli avait fait son enfance en France et qui a quitté la France pour venir fait sa vie en Côte d'Ivoire. À l'époque en Côte d'Ivoire, la porte est ouverte pour n'importe qui. Mais Suleiman Kolli nous a pris des choses que nous-mêmes on ne s'attendait pas auprès de nos propres parents. Arrivé à un moment, on était livré à nous-mêmes. Lorsque on était récupéré par Suleiman Kolli, on était encadré. Merci. Donc, comme vous nous avez parlé de l'ensemble de Koteba, comment s'est passée votre collaboration avec Suleiman Kolli durant ces années dans le groupe Koteba? Ma collaboration avec Suleiman Kolli, c'était vraiment très famille et côté père. Suleiman Kolli, pour moi, c'était mon père adoptif. Et ma collaboration de travail avec lui, Suleiman Kolli ne s'amusait pas avec son travail. Suleiman Kolli t'apprenait ce que tu ne connaissais pas. Même si tu connais, il te donnait les idées pour aller au-delà de ton esprit. Et ce que j'ai appris sur le côté humain, sur le côté talent, et il m'a fait voir les autres artistes aussi que moi-même que je rêvais. Suleiman Kolli m'a fait voyager dans ma carrière artistique sur le plan de l'Afrique avant de venir dans le monde international et avant de venir dans l'Europe. On était vraiment très liés. Et cette collaboration, c'était vraiment une collaboration vraiment très saine. Une collaboration culturelle. Ma prochaine question consiste à me dire qu'est-ce que vous pouvez dire que Suleiman Kolli a apporté dans votre vie, dans votre carrière? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à Toronto, vous êtes cofondateur, on va dire président, directeur artistique de Kouraba, Toronto Kouraba. Donc qu'est-ce qu'il a apporté dans votre vie pour qu'aujourd'hui vous soyez le Amara Kante qui est reconnu, qui est connu ici à Toronto? Je pourrais dire, ce qui Suleiman Kolli m'a donné, c'est trop. Je ne pourrais pas expliquer. Si j'explique, le pleur sont trop. Si aujourd'hui, je me retrouve à créer une association, un organisme, Kouraba Toronto, et à faire appel aux autres artistes qui ne sont pas seulement que les Guinéens, mais les artistes internationaux. La même chose et la même direction que Suleiman Kolli partait, moi je suis parti sur une autre direction artistique différente. Parce que Suleiman Kolli faisait tout. Et moi personnellement, ce qui m'a pris dans ma vie, aujourd'hui dans ma carrière artistique, c'est ce que Kolli m'a donné.
Il m'a appris à tenir debout sur moi-même. Il m'a appris à voler étant moi-même. Il m'a appris à chercher étant connaître les autres pays et les autres artistes. Et ce qui m'a donné comme fruit, c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai en train de le partager dans le monde entier et que je me déplace à tant que le message de l'ambassade de l'Afrique en travers la culture. Vous l'avez eu au téléphone la veille de son décès. Quelles ont été ses dernières paroles, ses derniers conseils à votre égard par rapport à ce que vous étiez en train d'entreprendre, à ce que vous lui avez dit? Ses dernières paroles, et c'était beaucoup touchant. Moi, je l'ai appelé le 31 juillet, auquel je préparais le deuxième Kouraba, numéro 2, 2014. Je l'ai eu au téléphone à plusieurs fois. Mais cette fois-ci, le 31 juillet, je n'ai pas compris. Je l'ai appelé à partir de 15h, heure canadienne. Il m'a dit, Amara, c'est toi l'appareil? Il dit oui. Il dit, je vais très bien. On a commencé à discuter. Je dis, papa, vraiment, là, je suis prêt maintenant à te faire venir à Toronto. Et il préparait les 40 ans de l'ensemble Côte d'Abidjan. Il m'avait envoyé des lettres, des emails, auxquels je dis, écoute, je suis prêt à t'accueillir. Et nous avons tout décidé. Les mails que j'écrivais et le projet que je voulais qu'il vienne. Pour sa venue, pour moi, c'était pour rassembler le diaspora africain culturel, de vraiment qu'on se trouve autour d'une table pour parler. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu mon père. J'étais beaucoup proche de Souleymane Colly. Vraiment. Il y a des points secrets que je ne peux pas parler. Ça, c'est personnel. Vraiment très personnel. Ce Guémé aujourd'hui, qui est moi, ma vie, je suis un forgeron. Et entre le Colly et le Kanté, nous sommes beaucoup liés dans l'histoire du monde. Ce n'est pas hasard que Souleymane Colly et moi, nous avons travaillé ensemble. C'est mon père qui m'a donné à Souleymane Colly. Il me dit, voilà mon fils, je te le donne. Auquel, son dernier coup de fil, il ne savait pas qui c'était. Le dernier message et le dernier parole que je devais avoir encore dans mes oreilles. Et c'est là que je m'a quitté. Auquel il m'a dit, prépare mon avenir et prépare tout le projet qui est en train de mettre en place. Prépare-le très vite. Merci Amara. Maintenant, je vais vous demander de me donner, de faire passer le message que vous avez sûrement un message à l'égard de l'ensemble des anciens membres du groupe Kotiba. Quel est votre message? D'abord, merci beaucoup. Avant de lui envoyer mon message, je rends hommage. Mes frères, cela veut dire qui? Les enfants de Souleymane Colly, que j'ai d'approche. Ismaïla Colly, Ousmane Colly, Saran Colly, mon Colly. Moi, j'ai vu le père de Souleymane Colly, son père même, Eladj Colly, moi je l'ai vu. Et hommage aussi, vraiment, à Malik Colly. Parce que son père s'appelait Malik Colly. Et là, je connais Malik. Le message que j'envoie à tout l'ensemble de Kotéba, tous les membres de Kotéba qui sont passés dans l'ensemble Kotéba d'Abidjan, je vous demande pardon au nom de Dieu. Pensez le bien que Souleymane Colly nous a donné. Ne pensez pas au mal. Chaque homme n'est jamais parfait. Personne n'est parfait sur la terre. On a tous nos défauts. Mais pensez vous-même, quiconque qui se trouve en Amérique, en France, dans le monde entier, sur le plan européen, pensez le bien que Souleymane Colly vous a fait. Parce qu'au moment qu'on était avec lui,
nous avons passé de bons moments. Et nous avons passé aussi de mauvais moments, des moments très durs. Et nous avons passé à ça. Et toujours, Solomon Colley disait, les gars, on travaille. Il pleut qu'il neige, on travaille. Il était le seul maître en scène. Je n'ai pas vu, moi, le reste des maîtres en scène qui sont passés. Les directeurs des théâtres qui sont passés, comme Foleba Keïta, comme Vieux Condé. Italo Jambo, je l'ai vu. Je vis les autres aussi. Mais un Africain qui a mis en place un opéra mandingue et qui était reconnu dans le monde entier, on a joué Waramba avec 42 personnes au Champs-Élysées de Paris au théâtre Renaud Barreau. On a monté sur pièce en 3 mois. Nous avons fait le tour de l'Afrique, nous avons fait le tour de l'Europe. Maté, c'est toi seul qui étais à côté de Rome. À Conakry. Nous autres, nous sommes partis. Aujourd'hui, le message que je prédis à tout l'ensemble de côté Badabidjan, nous avons perdu un peu. Moi, Amara Kanté, fils de Kanté Sidiki et de Djené Kaba, au nom de Dieu et de tous les créateurs du monde, seulement nous connais moi, je te pardonne. Le bien que tu m'as donné, je peux jamais l'oublier. Tout ce qui tu m'as donné, tout ce que tu me parlais, je n'ai jamais oublié un seul mot. Niade il a du bien fait. Saya clé de ce qu'on est là. Allah m'a saya le quoi qu'elle a marqué à l'année. Fempe, mon mot, pour l'abandon à la talima. Agnantele. Aïe non blobina. Oui, Mansali Yuwala. Massacré de l'être bien là-bas. Mais, Kolika Mindama, Aïe Mokada, Aïe Amina Nyon Blobina. Il y a les 40 ans de Côte d'Ivoire qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Ce qui peut faire les dons, envoyez-les. Allo Savari, Aïe Amiripo Sayaki. Oui, allez le voir aller. Mais enfin, Nathalie, j'ai passé de bons moments. J'ai passé de bons moments avec ses enfants. Afila muso de galibe da wazulunguma da jere tuwa dona. Afila di maloyabi ifila de zilangu nyaziba dungu ileda. Yante fila di maloyabi ifila de zilangu